stationnaire ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est variable, une température extérieure à 12 degrés, une température de l'eau à 15-16 degrés, une marée qui est en train de finir de monter. Le plein eau est à 7h30, coefficient 81. Sur cette fin du montant, le vent est déjà onshore avec un secteur nord-nord-ouest. Il y a 1 à 2 beaux-forts, le plan d'eau est ridé à un peu de clapot, les phases de vagues sont légèrement lisses, un petit peu ridées. Et puis on a cette petite houle moyenne à longue, hein, 8 à 9 secondes de période, orientée ouest à un peu ouest-nord-ouest, une houle qui est multipique, agitée, stationnaire en taille par rapport à hier soir. 40 cm en déferlement régulier, 50 cm serrée régulière, et de temps à autre, ça monte à un petit 70 cm avec la marée qui est haute, ça fait des vagues assez proches du bord, des petits pics courts et mous qui déferlent en sectionnant, une houle agitée, zone de déferlement aléatoire, c'est assez poussif, assez inconsistant. Quand il n'y a pas les séries, il n'y a pas lourd. Surfable en petite comme en grande planche par les adultes et les plus jeunes. Évolution pour le reste de la journée à confirmer avec le bulletin de 8h15 où les prévisions seront réactualisées. Mais la houle doit s'amplifier surtout en deuxième partie de journée. Le vent onshore va se renforcer. Les bouées du large sont en panne. La bouée côtière du Cap Ferret est à la hausse à 80 cm. On attend à 13h50 à 80 cm. Houle ouest à ouest-nord-ouest qui s'allonge avec 12 secondes de période. Un vent qui passe au nord-ouest et qui se renforce à 3 beaufort et à 17h, 80 cm à 1 mètre. Ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période, vent de nord-ouest, 3 à 4 beaufort. Voilà pour le report de ce matin. Prochain point, 8h15, à tout à l'heure. Merci.